attendez, mais attendez, mais attendez, c'est n'importe quoi ce qu'on fait là. Mais attendez, mais on fait n'importe quoi. On a oublié de dire bonjour à YouTube. Coucou YouTube. Bienvenue dans cette VOD. Comme tu le vois, on a commencé sans toi. Bon, voilà, donc pour refaire le brief rapidement, du coup, je vais vous le remettre à la limite en vidéo. On l'a vu dans, à la fin de l'épisode précédent. Donc si c'est pas le cas, je le remets en speed, tac. C'était juste une blague, Anna. Puis le premier anniversaire de la mystérieuse disparition de ses filles, Anna et Bess Washington. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. Waouh, ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Boum. L'effet papillon. Pardon? T'as dit quelque chose? Oh, bien sûr. T'étais trop occupé à faire ta connasse. Arrêtez! Wow. Mike, pourquoi est-ce que t'irais pas voir la cabane dont on a parlé? Ouais. Ouais, d'accord. T'as entendu? Bordel, qu'est-ce que tu portes? Voici notre billet vers le monde des esprits. Oh, mais méfiez-vous de Josh. C'est un vrai fou. Si c'est ça que tu veux... Jess? Et là, on est avec un groupe de 3 personnes. On va jouer à la table de Ouija. Enfin, jouer MDR, jeu est extrêmement drôle. Donc, voilà. Tout simplement. On est toujours en direct. On est toujours avec des gens sur le chat. Toujours avec Black Lucky, Martin, Marthe Gamnon. J'arrive jamais à prononcer ton pseudo. Je suis désolé, l'ami. T'es fidèle. Je te kiffe de ouf. Mais voilà, j'ai un souci avec ton pseudo, même si je t'aime beaucoup, hein. Mais voilà. Du coup, il y a d'autres personnes aussi sur le chat que je vois connectées. Bref, bonjour à tous, toute Ice75 aussi qui est là. J'annonce, on fera gagner également, à la fin de cet épisode également, ce truc un peu entre Pikachu et Bisounours. Je sais pas trop, ok. Donc voilà, pour info d'ailleurs, ouais, bah, il est tombé, super. Et pour info, du coup, c'est Martin qui a gagné celui-là. Et donc, il l'a filé à Mars. Voilà, voilà. C'est un poussin. Un poussin, exactement. Exactement. Bon, bah écoutez, pourquoi t'es éteint, toi, d'ailleurs? Ah, il n'y a plus de batterie. Ok, tout good. Bon, bah on va reprendre maintenant que je vous ai représenté tout ça, tout ça. Et que vous avez tous dit bonjour. Hop, c'est parti. Esprit, es-tu là? Eh oh, décrochez, esprit. Du téléphone, abracadabra. Arrête. Si t'entends ma voix, fais-nous un signe. Ouais, genre un signe de la main ou un signe de croix. Bon. Ah putain. Tout glauque. Okay, okay. Esprit, es-tu là? Quel que soit l'endroit. Attends une minute. C'est toi qui fais ça? Non, j'ai rien fait du tout. Ça bouge encore. Ah. Qu'est-ce que ça épelle? Attends. Mais comment c'est possible? C'est toi qui le bouge? Je te jure que c'est en train de bouger. Putain de merde. À l'aide? Comment on est censé aider? J'en sais rien, ça veut dire quoi? Il faut qu'on sache qui c'est si on doit l'aider. Bah qui déjà, ce serait bien. Qui es-tu? Oh, ça y est. Ok, S. O. E. U. R. Ah, tout glauque. Sœur. Tout glauque. La sœur de qui? Oh, arrête, t'es sérieux? La ferme. Demande-lui la sœur de qui? Josh, ça doit être... Ouais, ok, bon. De quelle sœur il s'agit alors? Ashley, demande-lui qui elle est. Ah, merde. Choisir. Allez, Anna. À qui parlons-nous? Anna? C'est toi? Je pense que c'est un troll. Oh bon sang! C'est n'importe quoi. Josh? Tu... Ça va. T'es sûr? Parce qu'on peut arrêter, hein? Non. Hé, hey, ça va. Je veux entendre ce que ça veut nous dire. Je sais pas par où commencer. Réfléchis. S'il s'agit vraiment d'Anna, on va... peut-être savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Josh? Pas faux. Je peux gérer. Ok. Laisse-moi réfléchir. Interroger, que t'est-il arrivé?
Ouais, tellement désolé. Bah non, faut taper sur l'interrogation, on va pas traîner non plus, quoi. Anna, tu nous manques. Et on veut savoir ce qui t'est arrivé. Tu peux nous dire ce qui s'est passé? T-R A H. J'aime pas ça. Trahi. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça continue. Oh merde. Bah ouais, parce que Bess l'a lâché. Là, enfin, on l'a lâché au début. Tuer. Oh non. Tuer. On les a pas tués. C'était juste une farce. H, du calme, hein, ok? Il faut qu'on en sache plus. Quoi? Désolé. Tellement désolé. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Demande-leur ce qui s'est passé, c'est l'unique façon de savoir. Vas-y, H. Comment es-tu morte? Élucidée. Ok. Ok. Comment es-tu morte? Anna, qu'est-ce qui s'est passé? B? B? Non, ça va. B? Bibliothèque, il y a peut-être quelque chose dans la bibliothèque. B? R, E, U. Preuve, il y a une dans la bibliothèque. Waouh. Oh merde. Chris. Tu sais quoi? Non, c'est des conneries. C'est pas vrai. Josh, je sais pas ce qui se passe. Écoute, je sais pas si tu penses que me chercher va m'aider à gérer ma peine d'une façon ou d'une autre, mais c'est pas cool. Josh, non, c'est toi qui voulais utiliser le plateau de spiritisme. Hé, hey, du calme. Ah, j'ai vraiment pas besoin de ça maintenant. Putain, vous êtes trop lourd. On devrait peut-être le rattraper. Bah, il va se reprendre, il faut... Laisse-lui juste un peu de temps. Non, je lui en veux pas. C'était dingue. La flèche filait à toute allure sur la table. Je veux dire, si t'as fait semblant, tu t'y es drôlement bien. J'ai pas fait semblant, pas du tout. On devrait faire comme il dit. On devrait aller dans la bibliothèque. Voilà, toujours, 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 toujours. Ostéo. C'est un grand malade. Yes. Ok. Donc là, on retourne sur le couple Mike et Jess. Donc ils allaient en direction d'un chalet. Et il se trouve qu'en fait, il y avait un gros arbre à escalader. Et Jess a commencé à monter en première et... Jess, t'es passé. C'est vraiment pas drôle. Et il se trouve que... Jess, elle a disparu en une fraction Jess, de seconde. T'es là-dedans ? Wow. Ouais. Bon sang. Ouais. Ok. Ça m'a foutu les jetons, ce truc. Qu'est-ce que ça fait là en plus? Ok. Et du coup, il y a moyen de rechecker ou pas? Jess? Jerry? Lumière de ma vie? Lumière de ma vie? Hop. Alors, je vois que sur le chat, ça parle de division. Et bah franchement, Jessica. Tu peux y aller les yeux fermés. Oh, c'est vraiment un bon délire. Alors, du coup, c'est mieux si je suis attentif à ce que je fais. Allez, je promets de ne pas t'assassiner une fois que... Ah, oh, bordel. Non. Drôle. Mais non. Non, c'était attends, pas attends, drôle. Faut que tu vois ça. Je veux rien voir. Non, Mike. Non. Quoi? T'as filmé ça? Oh, regarde ta tronche. J'avais peur, Jess. Tu peux pas sauter comme ça sur moi. On est au beau milieu des bois. C'est super flippant. Oh, pardon. Ouais. Je te fais peur. Si t'envoies ça à quelqu'un, je... Tu quoi? Je vais te tuer. Je savais pas que ton hurlement de terreur wow. était aussi féminin, Michael. On ne connaît vraiment les gens qu'une fois qu'on leur a... Ah, il a un regard glaçant, quoi. À ce que je vois, j'ai toujours mon pantalon. Ah, c'est comme ça. Ouais. Va falloir que t'essaies encore. Ah, un okay. défi, hein. Alors accroche-toi bien, alors. Car tu es sur le point de ressentir toute l'ampleur de mon exceptionnel talent. Ça y est, ça m'a passé.
Et évidemment, c'est sur ce pont que ça risque de mal se passer. Tac. Ouais, et puis c'est surtout si vous voulez vous faire des vocales. D'ailleurs, les gars, sur du Division, sachez qu'il y a des channels Discord qui sont là pour que vous puissiez parler entre vous sur le Discord du studio. Un écureuil ou... Je sais pas. C'est flippant. Quoi? T'as entendu? Non. Oui. Y a quelqu'un? Évidemment. Un élan, ça va. On est bien. Ce truc a failli nous tuer. Pas de là d'où on vient là. Non, ça va. Ok. Allez, on avance. Oula, désolé. Comme tu l'avais décrit, Michael. Ah, nul. Quoi? Le gîte. Je l'adore. Ouais. Super. Toujours un mec avec un masque délire. Trouver un vieux masque. Ok. J'ai pas voulu lui faire peur. Rentrer dans son jeu, des fois c'est intéressant, mais pas là. Bon, y a rien de plus. À part le, peut-être un point d'ancrage de du moche, du méchant. Ok, pour l'instant. Putain, saloperie d'élan. Il a juste poupé comme un connard. Oula. C'est quoi ça? Mais c'est lui qui hurle. C'est un élan qui se fait défoncer. C'est ça. Merde. C'est horrible. Merde. Je crois qu'il va pas s'en tirer. Calmer le cerf, tuer le cerf. On va le tuer. C'est pas ma politique, mais... Ok, mon vieux. Ouais. Mais en même temps, s'il meurt... Je vais faire ça vite, c'est bien, d'accord? Oh, non, 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 non. Ok, ok. Oh, bon sang. Comment je... Je peux pas regarder ça. Ok, 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 ok. Oh, oh damn. Mais qu'est-ce que t'as fait? Bordel, non, c'est venu. C'est... Ah, c'est chaud, hein. Non. Pardon? Oh putain, c'était quoi ce truc? J'en sais rien. Y'a un pont là-bas. Regarde, Mike. Abaisse-toi vite.
Ok, on va pas louper les QTE. Suivons le chemin. Reste sur le chemin, on y est presque. Ah merde, vite. Vite, vite, vite. En même temps, si vous mettez des obstacles comme ça, je suis parfait quoi. Attraper la clé, aider Jessica. Normalement, c'est attraper la clé, mais bon. Allez, on doit foncer. C'est ce que je fais. Seul, prends la clé et ouvre-la. Oh la vache. Ok, cool. On va passer loin. Non. C'est bon. Quoi? C'est bon. Je contrôlais la situation, tout le temps. Connerie. Non, sérieusement, à fond, 110%. Bordel, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Ouais, c'est un peu le cas. C'était un ours? Ouais, sans doute. Ces choses vont vraiment vite. Ouais, je l'ai pas bien vu. Mais tout va bien se passer maintenant, je te promets. Comment tu peux en être sûr? Parce que je suis à peu près sûr que les ours ne savent pas ouvrir les portes. J'en ai vu qui ouvraient des voitures. Quoi? Ça. Sur Internet. Vraiment? Ok, bon, on n'est pas sur Internet, Jess, d'accord? C'est la vraie vie. Et je te promets qu'aucun ours ou quoi que ce soit d'autre ne viendra ouvrir cette porte. Ouais, t'as sûrement raison. Ok. Maintenant, je me sens presque détendue. Presque. Oh merde. Oh. C'est pas le chalet douillet qu'on m'avait promis, Mike. Ouais, c'est un peu en plein coin d'air, hein. Eh bien, il y a une cheminée. Ouais. On n'a pas besoin d'un feu pour se réchauffer. Michael, je suis une lady. Et une lady a besoin d'un peu de romance. Ok. Une lady aimerait se blottir contre son homme devant un bon feu et profiter un peu de la douce lueur des flammes. Ça deviendra bien assez chaud lorsqu'on sera l'un contre l'autre. Mike, ouais. Le feu et la lueur des flammes. Ouais. Ouais. Maladie. Concentre-toi, Mike. Ok. Bon, ne pas me faire sortir dehors quand même. Alors, tac tac tac, bienvenue Lucas Crash 211 sur le live. Bah, coucou toi. T'as déjà fait le jeu ou c'est la première fois? Alors, c'est la première fois que je le fais celui-là. Voilà. À moins que tu aimes ploter des sculptures de glace, je te suggère de faire du feu. Et vite. Alors, ça, ça peut être cool. Super. Parfait pour allumer la flamme. Ok. Ça risque de pas prendre, mais... Hé, hey, est-ce que tout va bien? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est rien, c'est... Je me prends des coups de jus, c'est une passion. Je sais que ce sont les lumières, idiot. T'as tout cassé. Doit y avoir un court jus, je pense. C'est toi qui as un court jus. Ok. Photo de tennis. Elle avait un papillon sur l'épaule. Anna décroche le bronze au tournoi sur invitation junior d'Alberta en 2013. Pardon. Tu dois allumer un feu, Michael, pas écrire un roman. Oh, ferme ta gueule. Ça va te prendre encore longtemps. Typiquement, là, on a une fenêtre. On sait comment ça va se passer. Hop. Ok, le Kama Sutra. Il fait tellement froid ici maintenant que ma langue resterait collée à ton mât. Ah, bien vu. Ils étaient inventifs. D'accord. L'utilisation de multiples plaisirs. Bon, je vais vous évaluer. On va à 1, d'accord. Wow. Je suis pas vraiment sûr d'être prêt pour ce niveau de okay. Gameplay. De gameplay. C'est bon ça. C'est drôle. C'est un joli clin d'œil. Lâche-moi, je te dis. Oh, putain de bordel de merde. Tu crois que c'était quoi, Mike? Bon. Allez. Ok.
Par là, on a quoi? Un frigo, ok. Et rien de spécial. D'accord, bon. On s'active sur la prépa ici. Allez. Ah, voilà le capitaine de la lueur. Très bien, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Il faut faire les actions. Bien. Le bois est prêt. Manque plus qu'une allumette. Ok, cuisine. Cuisine, cuisine, y a rien. D'accord, ici. T'avais pas un briquet ou un truc là, non? Oh merde. Oh non. Bordel. Mike. Quoi? J'ai perdu mon téléphone. Oh, merde. Quoi? Putain, il est où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Perdu. En courant. Je l'ai perdu, ok? Jess, attends. De quoi tu parles? Mon téléphone, Sherlock. Tu le trouves pas? Merde, non! Oh, c'est pas vrai, il a dû tomber dehors. Ah, merde. Je peux pas perdre mon téléphone. Mes parents me tueraient. T'en rachèteras un? J'en suis déjà à mon quatrième cette année. Ok, ok. Bon, je vais t'aider à le retrouver. Il doit être dehors. Ouais. Je pense qu'on devrait pas sortir maintenant, à cause de l'ours. Enfin, de cette chose. Pas fou. Des allumettes. Salut, salut. Qui c'est qui va s'embraser? T'as préparé cette phrase dès qu'on est entré ici, pas vrai? Oui. Ah, évidemment, de la Swan. L'homme 1, le feu 0. Très bien joué, bravo. Très bien, ma lady. Ok. Et ensuite je pense que... je pense qu'on va avoir besoin d'un peu d'alcool. Eh ben, si j'avais su ça avant... Meuf, elle a besoin de boire pour faire des c'est trucs avec toi. Je le sens pas encore. Allez, rassure-la. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non. Enfin, je croyais savoir qui tu étais vraiment, mais... Apparemment, t'es quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ta faute. Jess... Tu me plais beaucoup. Peu importe ce que tu crois. Donne-moi une chance. Et je te donnerai ce qu'il te faut. Eh ben, j'apprécie ton assurance. Mike, les volets. Quoi, les volets? Tu peux les fermer, s'il te plaît? Tu sais, il y a personne dehors. J'ai l'impression qu'on nous observe. Ça me plaît pas. Jess, sérieux, c'est bon. Hein? Écoute, ça me plaît vraiment pas. Ok, je ferme les volets. Et là, je vais prendre ça avant. Oh, Jess, regarde ça. Ah non, mais non. Et un feu, j'espère. Non, c'est plus cool. Effrayé, les mains en l'air, regarde ce fusil. On joue pas avec une arme. Je suis pas fun. Alors, t'aimes mon joujou? Bon sang. Pourquoi les armes rendent les hommes complètement dingues? Rien. Ok. Elle comprendra jamais notre relation. Allez, ferme-lui les volets. Voilà, les volets sont fermés. Alors, où est-ce qu'on en était? Je suis désolée, je pense que...
J'ai un peu peur et c'est difficile pour moi de tenir bon et... Ça va être compliqué, hein. Tenir bon ? Écoute, j'ai l'air super confiante et j'agis comme une bombe sexuelle et tout, mais... Au fond, je vais être honnête avec toi. Je manque vraiment de confiance en moi. Bah... Tranquille. Yes. Tu plaisantes, j'espère. Quoi ? T'as aucune raison de manquer de confiance en toi. Oh. Arrête, si tu savais. Je sais. Alors, t'es faut pas oublier qu'elle est naïve. On manque tous de confiance en soi. Mais tu sais te mettre en valeur. C'est peut-être une façade, mais pas seulement. Ouais. Si tu le dis. Ouais. Et ça, c'est hyper sexy. Vraiment ? Mais oui, bien sûr. Viens par ici. Ouh là là. Peut-être que je vais aussi savoir te mettre en valeur. Oh, tu peux y aller. Je suis tout à toi. Interdit au moins de 18. Ok, d'accord. Je fais un rapprochement avec le totem. Mike, c'est quoi ça ? J'en sais rien. Vas-y, tu ferais mieux d'aller voir, vite ! C'est le téléphone... On lui a renvoyé le téléphone à travers la vitre. Allez, rentre. On peut pas y aller. Ah, j'ai été trop loin, pardon. Ton téléphone. Quoi ? Mais ouais. Mais comment c'est possible ? Colissimo. Je sais pas, il est passé par la fenêtre. Ils ont des livreurs tellement pourlingues que du coup... Merde, putain. Quoi ? Ces espèces de salopards nous ont suivis jusque là pour nous foutre la trouille et juste quand on commençait à... Elle a l'air vénère. Oh, le bad guy. Ah non. Hey, vous êtes là ! Qu'est-ce que vous êtes en train de foutre ? Vous voulez vraiment nous emmerder ? Vous savez mauvais bail. C'est pas possible ! Vous gâcherez pas notre plaisir parce que Michael et moi, on va baiser ! Ah d'accord. Ouais, on va s'envoyer en l'air et ça va être chaud ! Alors profitez-en, parce que je sais que nous, on va bien en profiter ! Ok. Bon. Secondes. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Non, j'étais pas. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'y attendais tellement pas. Putain. Je me suis dit, elle est déformée par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce à quoi je pensais, je fais, mais elle passe pas. Mais elle passe pas. Et pouf, elle est passée. Je m'y attendais vraiment pas. Je m'attendais à ce que ce soit encore cucu, gnangnang. On se tourne autour et le mec, éventuellement, il lui plotte un 1, mais c'est tout, quoi. Ok, d'accord. Je m'y attendais pas, vraiment pas. En même temps, il se tourne autour depuis une heure et demie maintenant, donc voilà. XLS médical, ça marche avant. Ah, elle a bu de la Contrex et tout, et du coup, voilà, quoi.
Ceux qui n'ont pas la ref, c'est que je suis trop vieux, je suis un gros boomer. Allez, on y retourne. Tu crois vraiment que les filles ont communiqué avec nous? Aucune idée. Je sais pas si j'aurais préféré qu'elles le fassent ou pas. Ouais. Va falloir qu'on le découvre. Ok. Alors là, on est de retour sur le pseudo-couple pas formé. Ok. De Ash et Chris. J'avais l'air de vraiment flipper pendant la séance. Ouais, il semblait essayer de tenir le coup, mais... Tu penses qu'on aurait dû éviter de parler de ces sœurs? C'est pour ça qu'on est revenu ici. Ouais, mais pas comme ça. Pas en faisant du spiritisme. On est peut-être allé trop loin. Donc du coup, direction la bibliothèque. Il y aura une preuve. What the fuck? Merde! Est-ce que ça va? Je crois, oui. Regarde! Quoi? Il y avait un truc derrière le livre. C'est quoi ça? C'est un bouton? Pourquoi il y aurait un bouton? C'est une très bonne question. J'appuie dessus? C'est à ça que servent les boutons, je pense. Comment il apprend pour une grosse connasse? Oh, c'est quoi une télécommande? Oui, ça sert à quoi? Mais il y a des boutons! Oui, bah appuie dessus, connasse. C'est un peu pareil. Allez, hop. Oh, une porte s'ouvre. Ça devient bizarre, là. On est dans un film, là, ou quoi? Si c'est le cas, j'espère que c'est une comédie romantique. Ok, donc il y a des passages secrets dans la maison des Washington. Il l'ignorait peut-être. L'endroit est super vieux. Bon, est-ce qu'on jette un œil? Ouais, après toi. Non, 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 non. Ah. Super, merci. Ok, donc 23h19, la bibliothèque des Washington. Il y a une caméra. Ah, il y a une araignée aussi. Et ça, je suis sûr, ils auraient mis un cafard si on avait dit qu'on avait peur des cafards. Je pense qu'on va encore jouer une petite demi-heure, trois quarts d'heure, grand max, et voilà. Alors, portrait trouvé, encore une fois, histoire du papillon sur l'épaule. Ça se retourne pas. Ok. Bah si. Ah voilà. Oh shit. Je vais les prendre et les saigner comme des porceaux et arracher leur peau blanche et douce. 16 putains d'années. 16 ans à attendre les jolies petites Anna et Bess. C'est glauque ça hein. Moi je suis toujours honnête, donc je tablerai honnêteté. Mais lui il est protecteur, faut pas l'oublier. Lui son trait de caractère c'est qu'il est protecteur. Non, y a pas grand-chose par ici. T'as bien regardé partout? On va pas suivre les ordres d'un plateau de spiritisme. Mais ça disait la bibliothèque. Ah, y a rien ici. Allons trouver Josh, d'accord? Narf. Ok, bon. Too bad. Oh. C'était quoi? Une porte. C'était vraiment bizarre. Creepy. Ouais, ça c'est clair. Pourquoi il y aurait toute une pièce secrète derrière avec un bouton et un mur qui bouge si c'était... vide. Allez, instant creepy, je me pisse dessus. Faut que je sorte là, en vrai. Donc, je viens juste de repenser à un truc que j'ai vu avec Sam. Quoi? Il y avait un avis de recherche, comme dans les westerns, tu vois. Et alors? Et Sam a vraiment pensé que quelqu'un était en train de la suivre. Et alors, tu veux dire qu'il y aura un criminel sur la montagne avec nous? Bah, il y avait ce type dont quoi, je t'ai parlé. Attends, quel type? Le type qui menaçait les Washington. Il a dit qu'il voulait prendre sa revanche en incendiant leur maison. Chris, si c'est ta façon d'essayer de me rassurer, ouais. T'es viré. T'as entendu ça? C'était Josh! Ça vient de la cuisine. Josh! Josh! On arrive, il y a un bon! Ashley! Pareil. Ashley, c'est ça! Pour moi!
Ashley, ça va? Je vais... Allez. Elle, faut faire gaffe, elle a deux doigts de se faire trancher la gueule, hein, en fait, hein, Ashley. Hein. Ash. Pas oublier le totem Ash. Qu'on a vu aussi. Oh, shit! Et le mec a un masque de clown chelou, c'est ça, comme par hasard. Et c'est le plombier. Le gars qui voulait, très clairement. C'était le gars de la maintenance. Ah, le mec, il met des ballons et tout. Il a un rituel, hein, c'est chaud. Ok. Ok. Donc là, du coup, des masques de clown. En plus. Plus il en apprend sur nous. Et plus le gars, il est tordu. De ouf. C'est Didier. C'est le mec de chez Carglass. T'sais. Salut, c'est Olivier de Carglass. Si toi aussi t'as un trou dans ton pare-brise. Je vais maintenant vous montrer des photos de gens que vous connaissez et appréciez. Allez, instant chat. Mais vous ne les appréciez peut-être pas autant que vous le prétendez. Eh bien, ceci est un exercice de franchise. Dans chaque paire, désignez la personne que vous appréciez le plus. Prenez votre temps. Vos réponses sont importantes. Alors. Oh, d'accord. Je préfère Sam ou je préfère Josh? Du coup, on préfère qui? Moi, je préfère Sam. Voilà. Josh, je le trouve un peu chelou. J'avoue. Allez. Alors, Martin qui veut voir si on peut parler après le live. Alors, la config que j'ai. Audio là que t'entends actuellement, elle n'est pas du tout configurée pour être en audio avec des gens. Du coup, il va falloir que je refasse pas mal de branchements, donc je te dirais non, là dans l'immédiat, non. Là dans l'immédiat, tout de suite, non. Mais on peut se capter par écrit sans souci. C'est pas que je veux pas, hein, c'est juste que rien n'est configuré comme d'habitude dans le studio pour l'émission. Et du coup, j'ai dû débrancher pas mal de choses et refaire des points. On préfère qui entre Emily et Matt? Emily, franchement, je l'aime pas, mais je crois que son rôle est fait de telle manière à ce qu'on ne l'aime pas. Le mec qui veut faire une teuf avec ses sœurs sont mortes. Ouais, ouais. On préfère Matt, on est d'accord, hein, on préfère Matt. Ok, bon, c'est cool. Suivant. On préfère Chris ou Ash? Moi, j'aime bien Chris, perso. Ash, c'est chaud, on va pas se mentir. Dites-moi ce que vous en pensez, évidemment, dans le chat. Vous savez quoi, je vais même vous mettre en avant. Boum. Tac. Alors. Tu sais pas, Martin. Ok. Bah, moi, je préfère Chris. Chris, ouais, tout le monde est pour du Chris. Ok, cool. Chris. On change de page. On est qui entre Mike et Jess? Mike, c'est un gars qui a un rôle intéressant. Jess, c'est un peu la nana un peu naïve, encore une fois, qui est simple d'esprit. Vous préférez Jess, d'accord? Moi, je préfère à la limite Mike. Ouais, mais Martin, il dit Jess parce que la meuf, c'est une meuf et voilà quoi. Et qu'elle a des gros ins. Ok, on a compris, Martin. Y'a pas de soucis. Moi, je tablerai Mike. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un personnage qui peut sortir de situations compliquées. Pas de par son intelligence. Mais voilà. C'est absolument pas objectif, Martin. Peut-être, mais peut-être. Ou je sais pas. Ok. Maintenant, tu préfères qui entre Josh et Emily? Je préfère Emily. En fait, Josh, il me fait creepy, quoi. Je sais pas, le gars, il est pas net dans sa... Je sais pas. Je le sens pas. Il est plan tordu et tout. Alors que ça se trouve, c'est un gars sur qui on peut compter, hein, mais... Jomili. Blouge. Je veux qu'elle soit Blouge. Préfère Ash ou Jess? Jess, moi perso.
Ah, il y a des gens qui disent H. Oh, le jugement. Le jugement. Dans ce petit jeu auquel vous vous adonnez avec ferveur, quelle personne aimez-vous le moins? Ah. Bah moi, ce serait Josh. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel personnage aimez-vous le moins? En soi... Ash, Josh, ouais super, alors Marthe qui fait, bah moi c'est Ash et Josh, démerde-toi avec ça, salut. perso que j'aime le moins, pour moi ce serait Ash parce que Josh, ouais, au revoir. Ce serait Ash parce que pour moi la nana, je vote blanc, oh là là. Oh les gars, merci, hein. Allez. J'ai pas du tout confiance en Josh. Vous vous dites qu'elle n'a que ce qu'elle mérite. Vous pensez que vos sentiments justifient l'épouvantable traumatisme qu'elle va bientôt subir. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Ah, notre séance est terminée. Fin de session. Glocky, glocky. Revenez, nous reparlerons de ça. En attendant, vous pouvez déjà réfléchir à cette question. Il y a des chaînes partout, hein. Il y a des chaînes, des trucs pour accrocher les gens. Un clown, un corbeau. Toujours les rideaux. Précédemment dans Ultin Down. Tiens-moi. Une personne en particulier retient toute notre attention. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Il les aurait mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction au milieu des pins de Blackwood et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. S. O. E. Sœur. Demande-lui la sœur de qui. Josh, ça doit être... De quelle sœur il s'agit alors? Ah, cours. Ah, la vache. Vache. Hey. Oh. Ok, on s'est bouffé une droite. Viens par ici. Peut-être que je vais aussi savoir te mettre en valeur. Ah. Voilà, voilà. Ouais, elle a pris le flingue, super. Oh, oh là là, mais il arrête au pire moment, mais quel connard. Bon, pour ceux qui sont en VOD, on va s'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir maté l'épisode. Pour ceux qui sont là, bien évidemment, restez avec nous. Je commence à plus avoir de voix, moi. Ça commence à être très compliqué. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche, à commenter éventuellement, le petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à rejoindre en live, bien évidemment, voilà, je vais mettre cette page là pour que les gens vous disent au revoir quand même, faut pas déconner. Encore une fois, abonnez-vous, je vous dis à très très vite pour la suite de cette aventure. Ciao. N'attends plus les VOD, rejoins les live Twitch et deviens acteur du direct. Merci d'avoir maté cette VOD. Pour ne rien louper de la prochaine émission, abonne-toi et clique sur la cloche.